Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons travailler le coup droit. Allez, c'est parti. L'objectif est de renvoyer la balle de l'autre côté du filet avec une trajectoire arrondie. Dès que vous percevez la direction de la balle, orientez le haut du corps en vous aidant de la main gauche, pour un droitier, tout en adoptant une prise semi-fermée de coup droit. Pendant cette phase de préparation et jusqu'au déclenchement de la frappe, laissez votre bras gauche parallèle au filet pour favoriser une bonne fixation des épaules. Relâchez votre poignet pour réaliser la mise à niveau. Tamis qui descend sous le niveau de l'impact et déclenchez la frappe. Frappez la balle en équilibre, en avant du corps, les épaules revenant progressivement face au filet. Accompagnez un relâchement vers le haut et vers l'avant, puis vers la gauche. Enfin, reprenez une attitude d'attention dynamique. Ce qu'il faut retenir en coup droit. Une orientation du haut du corps dès la perception de la balle. Une prise semi-fermée. Le tamis au-dessus de la main dans la préparation. Des appuis semi-ouverts à en ligne tout en gardant l'équilibre à la frappe. Une frappe en avant du corps suivie d'un accompagnement relâché. Mon conseil, c'est de vous entraîner à faire des coups droits toujours en commençant par orienter les épaules.